Alors tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo, épisode 3 sur Fables The Lost Chapters. On va faire la suite de ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire que la dernière fois on a fait une mission en mode gentil pour sauver des fermiers qui se faisaient attaquer, pour piquer des boîtes qu'il y avait dans leur ferme. Et il y avait bien sûr notre rival qui est arrivé et qui a pris le camp adverse, donc chez les ennemis, chez les bandits. Et on a gagné de la renommée et tout ça. Et aujourd'hui on va continuer donc tout ça, sauf que j'ai décidé de changer, parce que j'avais décidé d'être gentil la dernière fois, et après mûre réflexion, j'ai décidé d'être méchant, mais un grand méchant, genre. 100% méchant. Du coup, bah, c'est ce qu'on va faire tout simplement. On va devenir très méchant. Donc c'est parti. Ok, escorte des marchands. Eh bien, on va faire ça. Sectionner la quête et les esbroufs. Bon, on va voir les esbroufs qu'il y a. Hein. Mais bon, si c'est encore pour que je meure 10 millions de fois, je veux dire. À quoi ça sert? Je vous le demande. Pas de protection, c'est gratuit et protéger les marchands. Tous les marchands doivent survivre. Mais c'est pas possible, il y en a un qui meurt à chaque fois. Sans spoil, pardon. Bah je sais pas si je vais y arriver moi. Bon je vais le prendre quand même, de toute façon ça coûte juste 100 pièces. Et puis voilà. Par contre je vais pas y aller sans protection parce que sinon je vais juste crever 10 millions de fois, c'est des putains de balverines quoi. C'est un peu relou. Du coup, attends je peux pas choisir un autre nom du coup là? Logiquement je peux non? Non? Ok. Ok, bah écoutez, allons-y. Je vais juste me rhabiller, s'il vous plaît. Hein, parce que, bon... Il commence à faire frisquette un peu. N'oublions pas que c'est encore l'hiver. On n'est pas encore le 21 mars. tenue de villageois, tenue d'apprenti à capuche. Ouais, bah écoute, j'ai pas trop le choix. Peut-être que je m'achète des vraies tenues aussi, éventuellement. Pour me protéger. Hey, mec. Ça va. Calme. J'ai rien fait, moi. Ok, direction Hogval. Enfin, Hogval. Disons que le chemin qu'on va emprunter va nous emmener à Hogval. Regarde, j'en profite pour le... avec ça. Putain, ça fait pas de dégâts. Oh là là, c'est terrible. Retourner souvent à la guilde pour passer des niveaux. Oui, je sais. Ouais, mais j'ai rien gagné la dernière fois là. Je dois pas avoir énormément. Vite, mon multiplicateur de combat. C'est bruit. Génial. C'est par là. Bon, je vais arrêter de m'arrêter de combattre tous les trucs que je trouve. Même si c'est bien hein, pour l'expérience, tout ça. Il y en a un qui me suit là. Ah, mais c'est un bandit. Ah. Et bien alors. Salaud. Non mais je rêve. Les mecs ils se sont pris pour des bons quoi. Genre ils se sont dit vas-y on va le tuer, c'est bon, c'est qu'un apprenti et tout. Ouais t'y as cru hein. Je te le dis moi, t'as aucune chance contre moi. Tu n'as aucune chance contre moi. Je suis ton maître. Pas du tout. Alors le truc qu'il y avait là-haut je l'ai récupéré. Très bien. Une guêpe. Et allez. C'était rapide. Oh bien. Ah, des bandits, attendez. Là, je vais sortir ça. Je vais essayer de... Genre... En tuer un... de manière... Ouais, je l'ai décapité. Aïe, merde. Hé hé ! Tire de zone ! Tire de zone ! Boum ! Oh putain, lui aussi, je l'ai décapité. Excellent. Vite, mon multiplicateur. Il descend. Aïe, mais genre d'où ça me touche ça? Il me visait même pas moi, tu sais. Ils sont plus faciles à tuer que les Hobbs quand même. Hein. Je peux pas dire, mais. Enfin, ce bruit, ça me perturbe. Voilà. C'est perturbant. Salut les gars. Hop, et hop. Et hop, au revoir les scarabées. Désolé, hein, je suis pour la préservation des animaux, mais. Là c'est compliqué, il faut l'expérience, vous comprenez. Quand il est question d'expérience, l'éthique passe ailleurs. Dans le coin. Prudence. Pourquoi prudence? J'espère que vous avez l'or. Ces bandits nous tueront pour s'amuser. Ah ouais? Moi je vais les tuer pour m'amuser, tu vois. C'est un chemin privé,
Et on pourrait utiliser ta tête comme des... Alors à moins que tu ne veuilles finir raid... La boule d'un mollet. T'y crois toi, non? Non? C'est ça alors? Vas-y. C'est ce que je vais faire, gros. Allez, j'attends. Je vais juste te buter. Ça va être super bien. Regarde. Tu vois? Vu que tu m'attends sagement. Est-ce que je peux, genre... Voilà. Voilà. C'est long. Salut les gars. Ça va comme vous voulez. Une pomme. Vite, l'expérience. Eh ben. Voilà, parfait. Vite, l'archer. L'archer, il faut que je tue l'archer d'abord. Sinon, il va me buter et ça va pas être cool. Votre santé est faible. Oui, je sais. Avez-vous on va manger une tarte. Aïe. Putain, mais ça me fait chier parce que, en soi, je pourrais utiliser tellement de sorts différents comme celui-là. Mais sauf que je ne le fais pas. Parce que je n'y pense pas. Et que je suis pas doué. Salut les gars. Aïe. Comment on fait pour les tuer, genre... M'aurait pas. Je vais attendre juste que lui se réveille là. Ah ouais, s'il m'a eu. Bon. Voilà, ce qui est chiant, c'est que je les assomme avant de les tuer. Ah ouais. Aïe, putain, mais. Arrête de faire de la merde. Avez-vous des potions, des vivres? Boum. Bon, très bien. C'est quand même pas terrible tout ça. Hein. Je suis pas le meilleur. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Kili. Qu'est-ce que tu fais? Avez-vous des potions, des vivres? Non, arrête de bouger. Bouge pas. Voilà. Très bien. Ah, oh, y'a le gros là. Mais ah, merde! Votre santé est faible. Oui. Avez-vous des potions, des vivres? Ça me dit rien qui va. Et non. Et non. Vous êtes maintenant assez bon pour utiliser l'expression s'excuser. S'excuser? Non mais tu crois que je vais m'excuser ou quoi? Moi je suis un ouf, moi tu me connais pas. Allez! Vous mourrez tous autant que vous êtes. Qu'est-ce que... Mais pourquoi tu vises ça toi? Pourquoi tu te tires? Bon bah vas-y tire-toi. Tant pis. Moi je vais récupérer vos coffres et tout ça. Ça va être cool. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dis-moi? Des pièces d'or? Oh, une amélioration de flamme. Cool. Moi, c'est pas le mieux, ce serait que j'ai une amélioration d'argent. C'est comme je disais, je vais tuer des balverines. Alors, les balverines, il faut savoir que c'est des sortes de loups-garous. Et pour tuer les loups-garous, eh ben, ça marche mieux avec, tout simplement, des améliorations d'argent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, hein? On fait pas le radin? On me donne ce que vous avez? Non, je vous ai tous tués, de toute façon. Pas grand monde qui pourra me dire non. C'est la meilleure méthode. Marteau? C'était pas un marteau, ça. J'ai mal lu, c'est ça? C'est ça que tu me dis? Une traite de mal-lisère? Mais c'était pas du tout par là qu'il fallait que j'aille, en fait. Je me suis complètement trompé, c'est ça? Ou alors, je suis arrivé par là-bas? Ah, je suis peut-être arrivé par là-bas. Oui, donc ça doit être par là en fait. Donc c'est bon. je le savais. C'est bon, ça va. Ah, il y a une porte démoniaque. Qu'est-ce qu'elle va me dire celle-là? Salut. Voilà le contrat. Accomplis un acte très maléfique devant moi et je m'ouvrirai. Ah ouais? Du genre. Genre tuer un marchand par exemple. Ça peut être faisable ça. Ça peut être faisable mais plus tard. Parce que là il n'y en a pas. Vois-tu. Voilà. Wow. Ça va tranquille. Ok maintenant les hop ça suffit là. Ça suffit les conneries. Putain mais ils sont plus faciles à tuer que tout à l'heure.
Je dis pas que c'est juste parce que j'ai Salut! Salut les gars! Oui, ok, j'ai gagné un poisson, c'est cool. Vous avez maintenant assez de renom pour utiliser l'expression pose virile. Pose virile? Votre nouveau. Donnez-moi mon expérience. Merci. Reconnu. Ok, y'a pas un truc là-bas là? Genre. Je veux dire, c'est un passage là avec gardé par des Hobbs, c'est pas pour rien, non? Qu'on se le dise. Ah, une porte de téléportation. Oui, très bien. Très bien. Est-ce que je la découvre d'un coup? Ou pas? Est-ce qu'il faut que genre, j'attends, je l'utilise pour pouvoir l'utiliser vraiment. Si vous voyez ce que je veux dire. Y'a pas ça, c'est pas ici, non? Normalement, y'a une porte démoniaque, genre, quelque part, dans le coin. Qui me permet de tuer plein d'obs à la suite et de faire un méga combo wombo combo de la mort qui tue. Ouais, c'est là. Wow! Ok. Aïe! Putain, je voulais pas faire ça, je voulais. Ok, sur l'autre bouton de ma souris. Voilà, comme ça. C'est là. Ouais, c'est cette porte là. Cette porte démoniaque, si je l'ouvre, eh bien ça me donne plein de hobs à tuer si j'y arrive. C'est dur hein. Mais si j'y arrive, ben je gagne une bonne armure, je crois. D'après ce que je me souviens. I'm not sure about this. Oh, la caverne des hobs. Est-ce que je devrais vraiment aller par là? Est-ce que je me fais la caverne des hobs? Allez, on va dire que oui. Vite! Faisons-nous le mage. Aïe, je vais mourir. Je le sens gros comme une maison. Mais cassez-vous, bordel de merde. Aïe. Allez hop. A ton tour, saligo. Mais aïe. Putain, y'en a partout. Ok, là on commence à avoir la maîtrise. Là, ça marche un peu mieux. Aïe. Non, ça marche pas du tout. Ta gueule. Ah putain, je vais crever. Votre santé est critique. Ah. Wouhou. Je vais crever, dis donc. Vite, mange. Mais qu'est-ce que. Ah, mais si je vise pas. Aïe. Tu vas mourir. Tu vas mourir si tu continues. Tu le sais, en plus. Pourquoi y en a deux là? Oh, ça va, tu te calmes, hein? On va pas lever les cochons sauvages ensemble, hein? Bordel! Oh là là. Bon, bah au final, ça se passe plutôt bien pour le moment. Ce qui est bien, c'est que ça va me faire plein d'expériences. Après, je vais pouvoir acheter plein de trucs et tout, ça va être trop bien. Salut, gars. J'ai cassé. Je vais me prendre des trucs dans la tronche. Je le sens. Au. Putain. Cassez-vous là. C'est pas possible ça. Non, c'est fini. C'est fini les conneries là. J'en ai marre maintenant. Non, je suis censé pouvoir les finir, mais je sais pas comment on fait. Donc du coup bah ouais. Salut gros. Non mais bon, il me faut juste deux coups pour tuer les mages, ce qui est pas mal en soi. Ce qui me plaît bien. Je suis le maître du monde. Non, je peux remonter. Tristice. Alors. Bon, on va finir cette caverne et après je m'arrêterai là et je ferai la mission principale juste après. En espérant que j'ai pas dépassé le temps de genre une demi-heure. Ce serait embêtant. Mais bon. Je suis désolé si c'est le cas. Voilà. Ce que j'ai à dire. Quoi, y'a rien ici? C'est une blague? C'est une blague! J'avais tout ça pour rien! Enfin, pour rien. Comme je disais, ça me fait de l'expérience, mais bon. C'est relou quand même. Oh là là là! Bon bah, je reviendrai quand il y aura une mission dans la caverne des Hubs, du coup. Peut-être que là, il y aura quelque chose. Oh là là, la galère! La galère! Remarque maintenant que j'ai trouvé. Maintenant que j'ai trouvé l'autre truc, c'est bon. Hein. C'est bon, hein!
Eh mais oh, ils ont reparu. Aïe. Vite. Cours, vol. Voilà, là, c'est ça. Aïe. Deux. Voilà. Cassez-vous, putain. Putain de mage de merde. Tiens, salaud. Bordel. Désolé pour ma vaccinature. C'était pas le but. Bon. Là, il va y en avoir plein aussi, c'est ça? Je m'y attendais pas, ça m'a surpris. Aïe. Putain, mais ils m'attendent en plus, quoi. Genre, je sais que tu es là. Je vais te buter. Je vais mourir. Je vais mourir. Qui c'est qui me... Mais pourquoi lui, je le tue pas en deux coups et tout à l'heure, je l'ai tué en deux coups? C'est pas logique, moi, je dis. Il y a de l'illogiquitude. Oh, mais attends, j'ai pas pris le pouvoir du... Oh non, je l'ai pas. Si, j'ai ça au pire. C'est pas mal ça aussi. Ça pourra m'aider. On va commencer par... Quoi ? Il faudrait que je puisse genre trouver un moyen de... Ah putain, mais le problème des hubs, c'est ça quoi. C'est que il y a des putains de mages qui m'attaquent de partout là. Insupportable. Et voilà, j'ai encore perdu ma fiole de résurrection. Insupportable. C'est insupportable ces hubs. Je te jure quoi. C'est terrible. Hein. Votre volonté est faible, attention. Tiens. Et le dernier petit mage, on va tuer en bonne et due forme. Parce que il me casse les bonbons, ces putains de mages là. Attaque à distance de mes deux. Je me foutrais moi. Mais je suis pas allé là en fait. J'ai quoi là-dedans ? Votre volonté est faible, attention. Mais je sais que ma volonté est faible. Annexe de la grotte, y'a pas un truc à récupérer là-dedans ? Oh putain de merde. Genre ça me touche ça, c'est une blague. Vite. Non, c'est lévitation. Allez, je l'ai fait là. Déconne. Aïe. Putain. Bon, très bien. Y'a rien ici non plus, c'est ça que t'es en train de me dire là. Bon. Eh ben écoute, tant pis, voilà. J'adore faire des trucs pour rien. Je me sens mieux dans ma vie. Ah, je te jure. Non, là, ça va être juste la flûte, hein, parce que j'en ai marre. Il me casse les couilles. C'est bon, je me casse. J'ai compris. Je suis pas encore assez doué pour pouvoir me battre contre ça. Enfin, si, j'y arrive, je les tue, mais bon, je suis quand même mort deux fois. J'ai usé deux fioles de résurrection pour rien. Ah ! Ah, bordel. Non. Aïe, mais genre, ça me touche, ça. Putain, mais c'est insupportable, vous êtes insupportable, les gars. Oui, je sais. Yeah. Ah, j'en ai récupéré une. Bon, c'est pas mal déjà. C'est déjà ça. Mais bon, tout de même. Est-ce que je m'essaye à ça pour la dernière partie de la vidéo? Après, dans la prochaine, j'irai faire la mission qui mène vers Ogval. On va essayer. Et puis, si ça marche pas, et ben écoute, tant pis. Mais ça va être dur, hein, moi je te le dis. Je te préviens. Augmente donc ton multipli. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'augmente mon multipli. C'était ça le truc de la porte, de cette porte démoniaque. Putain, je suis trop con. Bon, et ben écoutez, tant pis. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Devant cette belle porte démoniaque et cette belle grotte. Voilà. Et c'est donc déjà la fin de cette première vidéo où on a tué quelques hobs, on est mort quelques fois aussi, hein, on va pas se le cacher, on n'est pas très doué, mais c'est pas grave. Du coup, il faut juste que j'arrive à trouver un moyen de bien me battre de manière efficace. Ça fait très longtemps que j'avais pas joué à ce jeu, et franchement, ça me manquait. Il est beau. Ok, les graphismes sont vieux, mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. Bref, du coup, j'espère que ça vous a plu, et puis à la prochaine pour la suite. À ciao, bonsoir.